Avex Group. C'est la fin du cours. Allez, on va prendre un café, les filles. Ok, tu viens, Natsuki? Désolée, mais je dois filer au travail. Ah bon? Depuis quand t'as un travail? Allons bouffer, les mecs. Quoi? Mais c'est pas vrai, ne me dis pas que tu as encore faim. Hé, hey, Takumi, attends-moi! C'est toi, Natsuki? Alors, comment elle va? De qui tu parles? Ben, ta caisse partie la 86, alors? Ah, elle tourne plutôt bien. Le truc cool, c'est que je me sens de plus en plus à l'aise au volant. Ah ouais? Toi qui n'arrêtais pas de te plaindre depuis que tu as changé le moteur, eh ben ça alors? Ça a vraiment changé du tout au tout, depuis que j'ai installé le tachymètre. Maintenant, elle atteint une vitesse impressionnante. Ah. Ouais, j'espère qu'un jour je pourrai dire pareil de la mienne. Qu'est-ce que t'as de la chance? Tu veux pas me faire essayer la roue du col, un de ces quatre? Ouais, si tu veux, mais garde le cœur bien accroché. Comment ça? Qu'est-ce que tu sous-entends, dis donc? Évite juste de me faire une syncope. Hey, arrête voir un peu, Takumi, je suis pas une mauviette. Non, mais... Takumi. Merci, monsieur, et à bientôt! Takumi, qu'est-ce que t'es en train de regarder? Hein? Dis, est-ce que je peux te poser une question, Ikitani? Oui, vas-y. Voilà, j'aimerais juste savoir comment tu as fait pour devenir aussi balèze en mécanique. Tu vois, ça m'intéresse. Par où je pourrais bien commencer, tiens. Ah oui, quand j'étais au lycée, déjà, on peut dire que je passais tout mon temps à trafiquer ma mobylette. Et puis, je me suis vraiment passionné quand j'ai acheté ma première voiture. Je passais tous mes samedis et mes dimanches dessus. Et puis, petit à petit, je suis devenu un vrai mordu, tu vois. Takumi, ben alors, tu t'intéresses à la mécanique maintenant ou quoi? Non. Disons que, par la force des choses, j'ai commencé à réaliser que... Par exemple, quand j'ai changé le tachymètre pour augmenter la vitesse, j'ai constaté que la personnalité même de ma voiture avait radicalement changé. J'ignorais vraiment à quel point la mécanique pouvait améliorer la prise en main. C'est vrai, le maniement d'une voiture ne peut pas dépendre uniquement du pilote. Alors soudain, j'ai pris conscience que pour gagner en vitesse, il fallait absolument que je passe par une phase d'apprentissage. Je vais devoir atteindre mon meilleur niveau si je veux devenir un pilote, c'est impératif. Ouais!
Le nouveau Takemi est né. Alors là, tu viens de faire un panier. En effet, quand je pense que jusqu'à l'été dernier, Takumi, tu ne savais même pas ce qu'était une 86, oui. Maintenant, tu gagnes course après course en dévalant la pente d'Akina telle une véritable fusée et tu bats tes rivaux les uns après les autres. Ah ouais? Dis donc, tu te souviens le mal qu'on a eu pour le faire participer à la première course, Iketami? Je m'en souviens bien. Quand on repense à cette époque, ça donne vraiment envie de sourire. Avec le recul... La compétition, ça me dit rien du tout, les gars. Même pas dans un virage en épingle. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu vois, je ne fais pas partie des gens qui estiment qu'il faut toujours répondre aux provocations des autres. Non, j'y crois pas, mais il va mordre sur le bas-côté. Conduire les mascottes au volant ne me fait pas peur. Je me rends compte que je gagne en vitesse si je braque le moins possible. Et comment il a réussi à faire pour me doubler, celui-là? Je suis déjà à fond. C'est mon combat, est-ce que tu comprends? Je me bats pour moi et pour personne d'autre. On va perdre. On a provoqué un monstre et il est en train de nous battre. N'en reviens pas, ce type progresse à chaque compétition. De nous deux, je ne crois pas avoir été le plus rapide ce soir. Je voulais juste que tu le saches, Ryosuke. Takumi Fujiwara, crois-moi, tu as été le plus rapide. À bientôt, j'espère. Sacré Takumi, à chaque compète, je sais pas comment, mais tu trouves le moyen de te surpasser. C'est vrai, tu as fait des progrès incroyables ces derniers temps. Spectaculaire, je dirais même. Oh, une FC blanche. Bonjour, monsieur. J'aurais besoin d'un plein de super, si c'est possible, merci. Tout de suite. Bon sang. Mais c'est Ryosuke Takahashi, la comète blanche d'Akagi. Et c'est parti pour le plein de super. J'aimerais qu'on discute un petit peu, toi et moi. Et moi? Oh. Ce serait possible après ton boulot, par exemple? Tu veux parler avec moi? Tu ne peux pas. Si tu n'as pas le temps, on peut faire ça une autre fois. Non, c'est bon. Je serai libre après le boulot, il n'y a aucun problème. Dans ce cas, tu n'as qu'à m'appeler quand tu auras terminé. Voici mon numéro de portable. D'accord. J'attends ton appel. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il te voulait? Pourquoi il est venu te voir, le fameux Ryosuke Takahashi? J'en sais rien, moi. Non? Alors pourquoi tu rougis comme ça, dans ce cas? Mais pour rien, enfin... Enfin, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais je me sens carrément intimidé par ce type. Il est pas comme les autres pilotes, Ryosuke. Hein? Hein? Faire une tournée des régions? Absolument. C'est un projet très sérieux. Nous recrutons des pilotes d'élite dans le but de faire une tournée dans les autres régions. L'idée est de défier toutes les équipes qu'on croisera sur notre passage et de les battre une à une. On rentrera dans la légende en pulvérisant tous les records pour ensuite se séparer. Est-ce que tu me suis? Malheureusement, je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. J'ai encore un an tout au plus pour réaliser ce projet. D'ici là, je vais tout faire, crois-moi, pour que ce grand jeu tourne en ma faveur.
Alors je n'irai pas par quatre chemins. C'est ta technique qui m'intéresse. Acceptes-tu de te joindre à notre équipe et de participer à l'expédition? Qui, moi? Fujiwara, tu es le seul qui a réussi à me battre. C'est moi qui serai le manager de l'équipe. Alors sache que, si tu acceptes, j'aurai une offre intéressante à te faire. Une offre? Si tu as gagné toutes ces batailles jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ton talent et à ton instinct. Mais dans très peu de temps, tu risques tout simplement de te heurter à un mur. Pour franchir ce mur et atteindre un niveau supérieur, tu auras besoin d'un apprentissage sérieux et d'un mentor qui te montre la voie. Mais j'imagine que tu as déjà dû prendre conscience du fait qu'il te faut approfondir tes connaissances pour gagner en vitesse, n'est-ce pas? Je crois savoir ce que tu ressens. Tu sais, ton style est vraiment très proche de celui de mon petit frère. Tu parles de Keisuke? Avec quelques conseils ajoutés à ton talent naturel, tu seras invincible. Je t'apprendrai tout ce que je sais pour combler tes petites lacunes de pilote. Évidemment, ce genre de conseils se prodigue sur la route, dans le feu de l'action. Écoute, pas besoin de me donner ta réponse tout de suite, mais j'aimerais que tu y penses sérieusement et que tu considères mon offre. D'accord. J'espère que tu seras des nôtres. Tu me dis que le grand Ryosuke Takahashi t'a proposé de faire partie de sa nouvelle équipe? Mais c'est un truc de fou! Ouais, en fait, il s'agit d'une sorte de Dream Team qui effectuera des tournées régionales pendant à peu près un an, pour ensuite être dissoute. C'est à peu près ce qu'il m'a dit. C'est génial! Ça, c'est une nouvelle de derrière les fagots, mon petit Takumi! J'en reviens pas quand Iketami va apprendre ça! Itsuki, évite de t'emballer et d'aller le crier sur tous les toits. D'ailleurs, je n'ai pas encore pris ma décision. Quoi? Y a pas hésité une seconde, mon gars! Je sais bien, mais ma première course remonte seulement à l'été dernier, il y a 6 mois à peine. Et puis, je ne m'intéresse aux voitures que depuis peu, je ne t'apprends rien. Au fond de moi, je ne pense pas avoir ma place dans une équipe d'élite. Tu débloques ou quoi? Tu te rends compte? Depuis le collège, tu fais les livraisons de tofu en voiture! T'as de la pratique, mec! Pense un peu à ça! Moi, je vendrais père et mère pour être à ta place! J'en reviens pas, c'est trop fort! Vive Takumi! Youhou! Mon ami et rival prend du galon! C'est trop fort, ma parole! Toujours est-il que depuis hier soir, c'est un peu confus dans ma tête. Et j'ai la nette impression que je vais devoir fournir de très très gros efforts avant de pouvoir intégrer cette équipe de rêve. Sans blague, alors la voilà la véritable raison pour laquelle Ryosuke est venu lui parler l'autre jour. Hallucinant comme nouvelle, pas vrai les gars? À fond, c'est clair que Ryosuke est notre maître à penser à tous. Le roi des cols, il pulvérise tous les records, c'est la comète blanche. Et en plus, il n'a jamais connu aucune défaite. Enfin, quand je dis aucune défaite, j'allais presque oublier que Takumi l'a coiffé au poteau une fois. Leur talent conjugué, je vous parie que ça va donner une sacrée équipe. Je suis impatient de voir ça, moi. Pourtant, ça me laisse un peu perplexe. Eh ben oui, vous oubliez que Takumi est le héros des Akina Speedstars. Et là, ça fait un peu comme si les Red Suns essayaient de le récupérer. Mais non, au contraire, moi je pense que c'est une bonne chose pour lui de voyager un petit peu. Maintenant, ce qu'il lui faut acquérir s'il veut progresser, c'est un maximum d'expérience. Allez, dis-toi simplement que nous prêtons Takumi à Ryosuke pendant un an. Il va partir en tournée? C'est drôle, nous aussi avec Bunta, nous avions le même genre de projet. Il faut qu'il y aille. Takumi doit à tout prix découvrir autre chose que le sempiternel col d'Akina. Casser son moteur est synonyme de défaite.
Allô? Lui-même? Bonjour, Ryosuke. Ici Takumi. Excuse-moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'est dit hier, mais... Enfin, si, un peu quand même. En fait, j'aurais besoin d'un renseignement pratique et c'est pour ça que je t'appelle. Le chef des empereurs? Tu veux parler de Kyoichi Sudo? Tout à fait. Est-ce que tu sais où je peux le rencontrer par hasard? Peux-tu m'aider à le contacter? Ça tombe bien, Kyoichi est une vieille connaissance. Il n'est pas difficile à joindre. J'ai ses coordonnées, je peux te les donner. En fait... Je me disais que ce serait peut-être une bonne chose pour moi de courir contre lui. Je vois. Où veux-tu l'affronter? Je voudrais me mesurer à lui à domicile, de préférence. Son territoire, c'est à Nikko. La route d'Hirohazaka. Mais je te préviens, il est redoutable. Tu devras donner tout ce que tu as. Les apparences sont trompeuses. Takumi est plus tenace qu'il en a l'air. Sa volonté d'aller affronter l'adversaire sur son propre terrain me plaît bien. C'est exactement le genre de test dont il a besoin pour devenir plus rapide. Fujiwara Tofu, j'écoute. Allô, c'est Itsuki à l'appareil. Ah, tu cherches Takumi. Il n'est pas là. Bon, tant pis. Il est sorti, c'est ça? Il a pris la voiture? Vous sauriez pas où il est allé? J'en sais rien du tout. Tu m'en demandes trop, là. C'est donc ça, Hirohazaka. J'étais un peu perdu en regardant la carte, car deux routes portent le même nom. Mais maintenant, je comprends pourquoi. La montée et la descente sont deux voies distinctes à sens unique. C'est bien la première fois que je vois ça. Cette série d'épingles est vraiment impressionnante. Oh, t'as vu ce que j'ai vu? Ouais. Quoi? Sûr de toi? Hé, hey, regarde! C'est bien lui? C'est la 86 d'Akina! Répète ce que tu viens de dire. Bien reçu, compris. Hé, hey, Kiyoichi! C'était les gars en bas de la descente qui appelaient. Ils nous informent qu'une vieille connaissance vient nous rendre visite. T'es là, Ryosuke? Oui, c'est pourquoi, Keisuke? On a aperçu la 86, sur la route d'Hirohazaka, il paraît. Je sais, pas étonnant. Quoi, t'es au courant? Eh oui. À ton avis, frangin, c'est l'esprit de revanche qui l'a conduit là-bas? Franchement, je pense que la victoire ou la défaite importe peu à Takumi Fujiwara. S'il est allé là-bas, c'est pour une raison très simple. Tester ses capacités. Ça y est, il arrive. Ne fait pas le bruit d'une 86 habituelle. Quelque chose m'intrigue, Keisuke. Tu vois, il y a très peu de temps, j'ai appris qu'un garage indépendant de Shibukawa avait reçu un moteur trafiqué issu du marché parallèle. Quel genre de bizarre. Moteur? Ils ne l'ont plus maintenant. Dis-moi, est-ce que tu te souviens qu'il y a quelques années, une voiture de super tourisme de groupe A, justement, a été volée? Hein? Non, mais alors, il aurait un moteur de groupe A? Il y a 9 chances sur 10 pour que ça soit le cas. Imagine un moteur TRD d'un litre 6 monté sur une Corolla AE 101 de groupe A. Un moteur qui peut tourner à plus de 11 000 tours minute et qui délivre une puissance de 240 chevaux. À mon avis, ce moteur a été débridé puis installé sous le capot de la 86 d'Akina pour en faire un bolide de compétition.
D'accord. Mais pour la course, je doute qu'un moteur d'un litre 6 soit suffisant pour délivrer la puissance nécessaire. On court tous avec des moteurs beaucoup plus gros. C'est vrai. Tu as réparé ta 86. Oui. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit à Akagi, on dirait pas. Je t'ai dit de revenir me provoquer en duel à une seule condition. Que tu te trouves une autre caisse, un peu plus respectable que celle-là. Mais cette voiture n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Et je peux t'assurer qu'elle fera parfaitement l'affaire, crois-moi. Bon, alors, tu acceptes ou pas? D'accord, ça me va. De toute façon, je pense qu'il est grand temps de mettre un terme à notre course inachevée de l'autre fois. Ce ne sont pas les chevaux qui font la différence, mais la tenue de route. Tu peux me croire. Depuis qu'il a installé ce nouveau moteur, je peux te dire que sa puissance a augmenté de manière significative. La 86 était déjà impeccable dans les virages, mais là, elle frôle la perfection. Avec l'option de misfiring system de Kyoichi, ces deux-là vont pouvoir faire jeu égal, ce sera intéressant. Ce sera une course en descente. Tout en bas de la colline, il y a trois ponts consécutifs qui sont très rapprochés. L'arrivée se trouve juste après le troisième, compris ? Par devant, je te suis. Mais... Si je ne parviens pas à te dépasser avant l'arrivée, tu remportes la course. Si j'y arrive, c'est moi qui remporte la course. Alors, ça te va? Oui, mais... dans ce cas... Ne viens pas me dire que tu trouves que notre duel est déséquilibré, je me sentirai insulté, Takumi. N'oublie pas qu'Hiro Asaka est mon territoire, je connais ce tracé par cœur. Si je m'inflige ce handicap, c'est pour qu'on soit sur un pied d'égalité. Si tu as autre chose à me dire, on bavardera après la course. Allez, en voiture. La descente d'Hiro Asaka est un parcours rempli d'obstacles en pente raide. C'est une véritable course d'experts. Ici, absolument personne ne peut tenir tête à Kiyoichi. Il s'est entraîné dur sur les gymkhana pour affiner sa technique. Et il est imbattable dans les courbes serrées. En rapidité. Il doit avoir un système de turbo amélioré sur son moteur, ce n'est pas possible autrement. Mais il peut y ajouter ce qu'il veut, sa caisse n'est qu'une banale 86. La mienne fait 350 chevaux. Sacrée puissance, Fujiwara. Mais dis-moi, tu crois vraiment que tes petites améliorations feront le poids face à mon misfiring system, petit? Quel que soit l'engin, tout comme Ryosuke à Akagi, je suis le roi de la route ici. Je ne laisse jamais filer une proie. Il me talonne. Advienne que pourra, je dois donner le meilleur de moi-même. On est pratiquement à la fin de la descente. Sa 86 est en perte de vitesse. C'est l'heure de la contre-attaque. Tu ne peux plus m'échapper. Le piège de ce parcours, c'est que tout le monde se laisse prendre au rythme de la descente et à ses virages à aborder à faible allure, suivi d'accélération brutale dès qu'une portion de ligne droite est en vue. Même les pilotes les plus aguerris se font avoir.
Car là, il ne s'agit pas de technique, mais de capacité d'adaptation ultra rapide. Après une série de virages aussi serrés, personne n'est capable de tels réflexes. Excepté un homme. Celui qu'on surnomme la comète blanche d'Akagi, Ryosuke Takahashi. Un pont. L'arrivée n'est plus très loin. Voici le premier pont, la série d'épingles terminée. C'est là qu'il faut faire appel à toute la puissance de son moteur. Je vais te montrer comment Kiyoichi Sudo, le grand champion, va reprendre la première place. Deuxième pont. Une courbe qui vire à droite du haut de laquelle on se sent catapulté. Ça va te faire une drôle d'impression après cette série de virages en épingle, tu peux me croire. Tu auras l'illusion que la route arrête ici. Et tu ne pourras pas mordre sur le côté. À moi d'en profiter pour me déporter. Ça y est, presque. Prends ça. Le troisième pont. Sur le dernier, la chicane va le déporter sur l'autre voie. Ce sera pour moi un finish en beauté. Les jeux sont faits depuis que je te colle. Ce sera serré. J'y vais, c'est parti. Quoi ? Imbécile ! Tu veux mourir ? Tu vas trop vite pour aborder ce virage. Braque, je te supplie, braque, ma petite 86. C'est ce qu'on va voir. L'élément clé pour gagner cette course était le virage à gauche, au troisième pont. Nous savons tous les deux qu'avec une banale 86, un tel exploit n'aurait pas été possible. Ce que tu as fait, un pilote ordinaire n'y serait jamais parvenu. Alors je peux savoir comment tu t'y es pris. Eh bien, je l'ai senti, c'est tout. À cet instant fatidique de la course, c'est-à-dire à la vue du dernier pont, disons que j'ai réussi à apprécier quelle devait être la meilleure trajectoire. J'ai bien vu que ça allait être limite, mais j'ai senti que je pouvais le faire. Alors j'ai foncé. Je ne saurais pas comment te l'expliquer autrement. J'ai toujours fonctionné comme ça. Quand je comprends la trajectoire, j'y vais. Je vois. Étrange voiture que la tienne. Je reconnais qu'elle ne peut pas être pilotée par n'importe qui. C'est un super bolide. Tu trouves ? Je sais reconnaître ma défaite. Allez, à une prochaine. C'est vrai, je suis content de moi. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir gagné. En toute objectivité, c'est un match nul. Hey, Takumi, debout. T'es rentré tard cette nuit. Où étais-tu ? Hiroazaka. Tu sais, ça risque de m'arriver de plus en plus souvent de rentrer tard, papa. Pour tout te dire, je risque parfois de rentrer pile à l'heure pour faire les livraisons de tofu. Du moment que tu es là pour faire les livraisons, ça ne me dérange pas, fiston. Tiens, je t'ai pris ça. Merci. Ça m'embêterait beaucoup que tu dormes au volant et que tu abîmes le tofu. Tâche de ne pas renverser une goutte pendant le trajet, c'est bien compris. Oui, message reçu. Allez, j'y vais. C'est Keisuke. J'ai appris que tu avais battu la Evo 3 à Hiroazaka. Mais comment se fait-il que tu sois déjà au courant, Keisuke ? Que veux-tu ? Les nouvelles vont vite. On sera bientôt en hiver. La tournée de notre Dream Team est prévue pour le printemps prochain. C'est-à-dire après la fonte des neiges et du verglas, des conditions bien différentes. En tout cas, moi, j'espère que tu seras des nôtres.
Mon frère n'en a plus que pour un an dans la région. Alors pendant cette année, compte sur moi pour me donner à fond dans la course afin que le rêve de mon frère puisse se réaliser. Moi aussi, je veux connaître la fin du jeu qu'il a mis en place avec passion et ce qui en découlera. Si tu suis ses conseils avisés, tu progresseras de façon spectaculaire. Mais dis-toi bien que je viserai encore plus haut pour ma part. À ce moment-là, l'heure sera venue pour toi et moi de nous battre en duel sur la route. Dans un an, je te battrai. Et j'entrerai dans la cour des grands, pour devenir ensuite un grand parmi les grands. Fais le bon choix. Accepte de rejoindre l'équipe. Incroyable. Ces types sont tout simplement incroyables. Hein ? C'est vrai cette histoire ? Puisque je vous le dis, il a défié Sudo des empereurs de Hiro Asaka, une course en une seule manche, ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça a donné ? Takumi m'a dit que c'était un match nul. Un match nul ? Ouais, et visiblement ça lui convenait comme résultat. Un match nul, tu m'étonnes ? Non seulement Kiyoichi Sudo a la réputation d'être super rapide, mais en plus de ça, Hiro Asaka est sans territoire. En tout cas, ça prouve bien une chose, ce match nul. Le nouveau moteur de la 86 est un véritable bijou de mécanique. Hein ? J'ai bien conscience du fait que Takumi possède une technique incroyable, mais de là à faire jeu égal avec une Lancer Evo 3, c'est une prouesse inégalée qui restera dans les annales, et je pèse mes mots. Une prouesse inégalée ? Ouais, je crois que Takumi a maintenant entre les mains un bolide qui va lui permettre d'exprimer tous ses talents, et ça ne fait que commencer. On est sans doute qu'au début de ce qui va devenir la légende de la 86 du mont Akina. Bonjour monsieur, par ici ! Du super, donnez-moi 20 litres. Alors 20 litres de super, s'il te plaît, Itsuki. Non, attendez un peu. Hein ? Plutôt 15 litres, ça ira. Elle est à vous, la 86 d'Akina ? Non, vous faites erreur sur la personne. Pourquoi ? On m'a dit qu'en venant ici, je pourrais rencontrer le propriétaire de la 86. Je m'appelle Kogashiwa. Hein ? Kogashiwa ? Ça alors ? Pour une surprise ? Pas là pour l'instant, mais il doit prendre son service à 17h. Attendez, Takumi m'a dit qu'il avait quelque chose à faire cet après-midi. Très bien, alors je repasserai. Excusez-moi, vous avez bien dit vous appeler Kogashiwa ? Excusez mon indiscrétion, mais est-ce que par hasard, un certain Ken Kogashiwa ne serait pas... Oui, Ken Kogashiwa est mon père. Merci, monsieur, et à bientôt !
Patron, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le client qui vient juste de s'en aller? De qui parlait-il? Quoi donc? À propos de Ken Kogashiwa? Oui, alors qui ça peut bien être, ce type, hein, patron? Je n'avais plus entendu ce nom depuis fort longtemps. Je ne sais pas. 20 ans? Non, ça doit remonter à bien plus loin encore. À l'époque, Bunta et moi, nous nous amusions à parcourir les routes de montagne ensemble. Ken Kogashiwa était un pilote qui courait à Hiroazaka. Il avait un style de conduite ultra nerveux et c'était le grand rival du père de Takumi. Hein? Bunta et lui se sont affrontés maintes fois, vous savez, mais leur toute dernière course, je m'en souviens comme si c'était d'hier. Eh bien, c'est Bunta qui l'a remporté. Depuis, je n'ai plus entendu parler de Ken Kogashiwa. Le grand rival du père de Takumi, Bunta Fujiwara, l'ex-pilote de légende. Je vois que son fils a maintenant bien grandi, et voilà qu'il veut rencontrer Takumi. L'histoire se répète, on dirait. Se débrouille pas mal, le gamin. Mais qu'est-ce que c'était que ça? J'ai ressenti comme un choc, rien qu'en frôlant ce type. Un vrai as du volant, dis donc. Je sais pas d'où il sortait, mais en tout cas, je dis chapeau. Quoi, il est venu pour me lancer un défi? Je ne sais pas, mais ça m'en avait tout l'air, si tu veux mon avis. Ouais, et puis si je me souviens bien, il conduisait une SW20. Un super beau modèle de compétition, équipé d'un moteur central arrière. Un central arrière? Eh bien, un central arrière, c'est quand le moteur est placé derrière le conducteur, Takumi. Comme tu le sais, la plupart des voitures ont le moteur situé à l'avant. Mais sur les centrales arrière, c'est l'inverse. Et dans le cas des quatre roues motrices, par exemple, quand le moteur est situé à l'arrière, les pneus glissent beaucoup moins lors de l'accélération, ce qui permet une bien meilleure reprise dans les virages. Avoir le moteur exactement au centre est un gros avantage. Ça permet d'avoir une meilleure maîtrise du bolide. Comme ceux des Formule 1, qui sont tous montés en centrale arrière. Hein? Le voilà! Fujiwara Tofu, j'écoute. Kogashiwa? Ken Kogashiwa? Ça alors, mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ton appel? Ça fait longtemps que je n'avais plus entendu le son de ta voix. C'est toi qui possèdes la 86 d'Akina? J'ai entendu dire que tu avais battu Tsudo des empereurs à Hiroazaka. Il se trouve que je devais l'affronter. Tout le monde disait que sur son territoire, personne n'était capable de battre sa Lancer Evo 3. Mais moi, j'étais sûr de pouvoir le battre. Je me faisais une joie d'aller lui régler son compte une fois pour toutes. Et il a fallu que tu me gâches mon plaisir. Par conséquent, c'est tout naturellement vers toi que je me tourne. Je veux que nous nous affrontions. Alors, tu acceptes mon défi? On ne peut pas vraiment dire que j'ai battu sa Lancer Evo 3. Mais si tu insistes et si tu veux quand même m'affronter, je ne me défilerai pas. Je ne sais pas encore quand exactement, mais je retournerai à Hiroazaka bientôt avant les premières neiges. Bon, très bien, je t'attends avec impatience. J'ai oublié mon nom et Kai Kogashiwa. Et toi? Takumi Fujiwara. Si tu veux bien m'excuser, je dois retourner travailler. Désolé pour le dérangement. Ah, dernière question. Est-ce que c'est toi que j'ai croisé au mont Akina cet après-midi? Non. Ok. C'était pour savoir. Fabrique, papa. Takumi, tu as dû voir un type en SW20 aujourd'hui. Un super beau modèle de compétition bleu métallisé. Comment t'es au courant de ça, dis-moi? Est-ce que tu comptes l'affronter? Je ne me défile jamais quand on me provoque. Fiston, tu vas perdre. Papa,
J'ai rencontré le propriétaire de la 86 d'Akina hier. Je vois. Tu vas donc affronter le fils de Fujiwara? Hein? Papa, dis-moi, tu le connais? Disons que c'est une vieille connaissance. Kai, je connais une bonne stratégie pour battre la 86, si ça t'intéresse, bien sûr. Salut. Oui, à demain. Oh, Takumi? Dis-moi, ça rime à quoi de m'ignorer tout le temps, hein? Écoute, Takumi, il faut que je te parle. On se retrouve tout à l'heure? On peut savoir à quel sujet? Je croyais qu'on était des amis. Des amis? Tu me l'as dit toi-même, tu te souviens pas? On est amis puisqu'on ne sort pas vraiment ensemble. Donc, il n'y a pas de problème. Ça sert à quoi d'être amis si on ne se parle même pas? Je voudrais savoir... Ah, Takumi, attends! Je veux qu'on se voie plus tard. Désolé, je suis occupé en ce moment. Takumi! Alors, mon pote, quand est-ce que t'as prévu d'y aller à Hiroazaka? Si tu veux parler de la course, je pense que le plus tôt sera le mieux. J'ai pas trop envie de laisser traîner cette histoire de défi avec ce Kogishawa. Alors pourquoi pas ce soir? Attends voir, tu plaisantes, j'espère? Pas le moins du monde. Demain, on est samedi et je ne travaille que la demi-journée. Ce ne sera pas la mort avec une ou deux heures de sommeil. Tu changes pas, toujours la même manie de décider sur un coup de tête, hein? À propos, tu as réfléchi à cette proposition de Ryosuke d'intégrer sa nouvelle équipe? Naturellement, t'as dit oui. T'as donné ta réponse. Non, pas encore. Quoi? D'après ce que j'ai compris, cette nouvelle équipe ne devrait entrer en action qu'à partir du printemps prochain. J'ai rencontré Keisuke l'autre soir, c'est lui qui m'en a parlé. Du coup, ça me donne encore du temps pour considérer la chose. Considérer la chose? En fait, mon choix est fait, mais je ne me sens pas encore très à l'aise. Ryosuke et Keisuke sont de sacrées pointures. On ne peut vraiment que se sentir petit à côté de leur détermination sans faille. Moi, je cherche juste, sans trop y croire, à gagner en vitesse pour l'instant. Ces mecs, c'est sûr qu'ils en veulent. Tu y vas, fiston? Alors, méfie-toi, d'accord? Il est redoutable. Je me permettrai quand même un petit conseil. Hey, je croyais que c'était foutu d'avance, papa. Tais-toi et ouvre grand tes oreilles. Je ne te le dirai qu'une fois. Là où tu devras mettre la gomme, ce sera sur le dernier pont. D'accord? Car ton adversaire sera déjà passé devant toi. Mais comment tu peux en être aussi sûr? Écoute-moi bien, Kai. Tu vas te mesurer au fils de Fujiwara, connaissant le père qui était mon rival. Le fils est sûrement très doué. Pour gagner, il te faudra de la technique et une tactique bien rodée. Le moment est venu pour moi de t'apprendre la stratégie pour battre la 86. D'abord, laisse-le prendre la tête. Hein? C'est de la folie, papa! Une stratégie pareille, alors là, non, merci! Si je laisse mener un adversaire tel que lui, il pourrait me coiffer au poteau. Tu n'y penses pas sérieusement, quand même? Et puis comment vais-je faire pour le dépasser à la fin? Non, c'est impossible! Si tu emploies une méthode traditionnelle, c'est plus que certain. Mais c'est pour cette raison que je te parle de stratégie. Hein? À Hiroazaka, certaines courbes doivent être abordées avec une trajectoire très spéciale. Tu veux que je coupe dans les tournants, c'est ça? Tu es sûr de toi, mais la voiture risque de ne pas s'en remettre, papa. Fais ce que je te dis, Kai. Une fois que tu l'auras dépassé, ce sera comme en boxe, une victoire par KO. Si tu t'en tiens à cette technique, tu t'assureras une victoire écrasante et incontestée. Écoute-moi bien, tu passeras à l'action à mi-parcours. Jusque-là, contente-toi de le coller. Il a sûrement profité du talent et du savoir de son père. On dit qu'il s'est entraîné aux cartes depuis son plus jeune âge et qu'il remportait pas mal de courses. Je me demande comment un tel fils à papa en est venu à faire des courses sur route. Va savoir. Je crois qu'il détient aussi le record de vitesse à Hiroazaka sur moto.
Ah oui, ça y est, ça me revient. Tu te souviens de Seiji Iwaki, des Emperor, celui qui a une Evo 4 blanche. Ah, tu veux parler de l'autre abruti avec une queue de cheval? Quand les Emperors sont apparus dans le département de Gunma, il les a tous battus. Ah. Ouais, mais il paraîtrait aussi que Seiji s'est fait battre par une SW récemment. Hein? Quoi, c'est encore toi? Ouais, mais je ne suis pas venu ici pour te chercher des histoires, Iwaki. Je suis simplement venu te saluer. Par courtoisie, c'est tout. Me saluer? Ce soir, je vais me mesurer à la 86 d'Akina. Quoi? Il n'est pas acceptable qu'on se fasse battre par des étrangers chez nous. Je vais y mettre un terme, Sudo. Salopard! Je trouve que ça promet comme affiche. La 86 d'Akina contre la SW20 de Kogashiwa. J'ai hâte de voir l'issue de ce match, vraiment hâte. Pas toi? Ravi de te revoir. Avant qu'on commence, tu veux mémoriser le tracé de la course? Non, c'est déjà fait. Je suis arrivé plus tôt et j'ai fait un tour de reconnaissance. Dans ce cas, voici les règles. Elles sont assez simples. Écoute bien. On va partir en même temps. L'arrivée se situe juste après les trois ponts. Le premier arrivé a gagné. Si tu es prêt, allons-y. Cette 86, j'en suis sûr. C'est la Panda Trueno que j'ai croisée sur le mont Akina. Mais alors, celui qui était au volant à ce moment-là, c'était le type qui a battu mon père, Bunta Fujiwara. Et voilà donc son fils. Je ne l'avais pas remarqué à la station-service, mais maintenant j'arrive à le sentir. Ce type est super fort. J'en ai des frissons. Mais je le battrai ce soir, coûte que coûte. Ouais, ouais, très bien, d'accord. Ils vont bientôt prendre le départ. Ok, mec. Ryosuke. On m'a prévenu qu'il y avait du grand spectacle ce soir, alors je suis venu accompagné de mon frère. Sois le bienvenu. Le vent souffle fort ce soir. Bonne chance à eux. Ça s'annonce difficile. Un bon paquet de feuilles mortes a sûrement recouvert la route à l'heure qu'il est, ce qui représente un risque supplémentaire. À mon avis, Ryosuke, ces simples feuilles mortes feront la différence ce soir. Et désigneront peut-être le vainqueur au dernier moment. Des supporters inattendus, on dirait, ouais. Alors, comment tu te sens, Takumi? Je suis confiant, mais n'attendez pas de moi un miracle. Ah, me dis pas que t'as pas une stratégie. Et ton père, il ne t'a rien dit, non? Bah, si, il m'a donné un conseil, mais j'ai pas tout retenu. C'était un peu du charabia, il faut dire. Ah! Oh, et Takumi, ne nous fais pas peur comme ça, s'il te plaît. Bon, bah, je vais tenter le tout pour le tout, et on verra bien. Eh oh, courage, Takumi! J'espère que tu vas lui mettre une bonne raclée à ce fils à papa. À vos marques! 5, 4, 3, 2, 1, go! Ouais, génial, regardez, la 86 est partie en trombe! Vas-y à fond, Takumi! J'y crois pas. Les centrales arrière sont censées avoir un avantage au démarrage. Le nouveau moteur de la 86 est surpuissant! Rapide, c'est clair. Ce n'est pas une 86 ordinaire. Son moteur est plus puissant que mon 2 litres 3S. Si j'en crois mon père, le laisser partir devant pour le rattraper ensuite m'assurerait la victoire. Parfait. Ce sera un bon test pour moi. Je vais prouver à tout le monde que je suis capable de pulvériser cette 86. Ok, bien reçu. Apparemment, c'est la 86 qui mène depuis le départ. Kogashiwa n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Kyoichi lui-même n'a pas réussi à battre la 86. Il a été bête de le laisser mener. C'est pas son moteur atmosphérique qui fera la différence.
Et pourtant... Dans la dernière ligne droite avant l'arrivée, j'étais sûr et certain de pouvoir réussir ma contre-attaque. Une chose est sûre, on ne peut pas dire que je n'ai pas été vigilant. Et alors? Ça va peut-être te surprendre, mais ce jour-là, j'ai voulu faire une course propre, sans user de stratégie de bas étage. C'est mon excès de confiance qui m'a perdu. Kogashiwa, par contre, s'il a une tactique bien préparée, il a des chances de gagner. Tu pourrais être plus précis. À Hiroazaka, tout se joue dans les trajectoires. Sur ce parcours, à chaque virage correspond une trajectoire imparable, permettant aux plus malins de passer devant. Comme vous le savez, Kogashiwa utilise la technique de freinage du pied gauche. Ainsi, en accélérant du pied droit et en freinant de l'autre, il transfère le poids vers l'avant pour éviter le sous-virage de sa voiture, ce qui lui permet d'aborder les courbes à toute vitesse. Sur une route de montagne aussi particulière, il y a forcément des astuces qu'on ne peut connaître que si on est du coin. Tu n'es pas d'accord ? Ça désavantage Takumi, c'est sûr. Et je suis prêt à parier que Kogashiwa a une tactique au point pour s'assurer la victoire. Peut-être, mais le père de Takumi a déjà affronté celui de Kogashiwa sur ce parcours il y a quelques années et il a gagné, non? Justement, Kenji, je crois que Bunta a essayé de conseiller Takumi du fait de son expérience. C'est ce que Takumi m'a dit tout à l'heure. Mais il semblerait que notre ami n'ait pas retenu grand-chose. Si c'est vraiment le cas, ça va être dur pour lui. Plein de feuilles mortes sur la route ce soir. Ça craint. Le vent les a dispersées un peu partout. Si je fais pas attention, je risque de faire une sortie de route. Ceci dit, c'est encore pire pour la 86 qui est devant. Il doit gérer toute une série de dérapages pas évidents. C'est vraiment dur ce soir. Il vaut mieux que je la fasse déraper moi-même avant de perdre le contrôle. C'est parti. Allez, je dérape sur les quatre roues. Oh, mais il est complètement malade! Il essaie d'échapper aux feuilles. Comment peut-il faire un drift sur une route aussi glissante? Je reconnais que tu es fort, Takumi Fujiwara. Maintenant, je cesse de me montrer trop hésitant. Écoute-moi bien, Kai. À Hiroazaka, certaines courbes doivent être abordées avec une trajectoire très spéciale. Ouais, reste à savoir quand précisément je dois passer à l'action. Ici le virage 33, vous me recevez? On entend des bruits de pots d'échappement et des crissements de pneus, ils seront bientôt là! Ok, préviens-moi au moment de leur passage. Le show va bientôt commencer. J'ai un mauvais pressentiment. Il va bientôt faire quelque chose. Je dois rester hyper concentré. J'ai assez attendu comme ça. Il est temps d'agir. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette sensation. Il va tenter un truc. Virage 33, tu vas voir, c'est ici que tout va se jouer. Ils sont là! Ils arrivent! La 86 est en tête! Maintenant! Bon sang! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis? La SW a réussi à maintenir la trajectoire? Comment? Elle a dépassé la 86? J'arrive pas à en croire mes oreilles. Il a sorti le grand jet. Eh oui. Bravo à toi, Kogashiwa. T'es bien sûr? La SW a doublé la 86? Dans le virage 33, c'est bien ça? Hé! Hey, c'est en train de bouger en bas, les mecs! C'est fou comment il a fait pour passer dans ce virage! Vous avez entendu ça? Ça s'annonce mal, on dirait. Reprends-toi, tiens bon, Takumi! Je ne m'en veux pas, Fujiwara. C'était le seul moyen d'éviter la corde dans ce virage. À Hiroazaka, les virages en épingle ont une dénivellation terrible. Ils permettent de faire des prouesses. Voilà la spécialité maison. Ouais, à moi la victoire! Il a remis ça.
Si je ne me reprends pas, je vais perdre. Alors, quels sont tes pronostics? Il reste encore 11 épingles avant la fin, alors c'est un petit peu trop tôt pour se prononcer. Tiens, pourquoi tu dis ça, Ryosuke? Yoichi, pour l'instant, tout s'est passé comme tu l'avais prédit. Cependant, je reste persuadé qu'il est passé à l'action trop tôt. Quand on dévoile sa stratégie prématurément, on laisse le temps à l'adversaire de recouvrer ses esprits et de se reprendre. Je les vois! Ils sont au virage 37! L'écart se creuse de plus en plus. Il ne lâche pas l'affaire, on dirait. Encore un virage coupé et ce sera dans la poche. Allez! Que ça toute sa vie. Mais maintenant que je suis devant, tu n'as plus aucune chance. Je vais accélérer à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Une trajectoire imparable, tu dis? Oui. Alors pourquoi tu n'as pas averti Takumi du danger, Bunta? À la fin de la descente d'Hiroazaka, il y a un pont et un tunnel, n'est-ce pas? Bah oui. Eh bien, je n'ai pas laissé partir Takumi sans lui en toucher deux mots. Je lui ai dit que tout se jouerait à cet endroit. Et j'ai ajouté qu'à ce moment-là, il serait derrière son adversaire, mais il n'a pas eu l'air de saisir sur le coup. J'ose espérer qu'il a compris ce qui lui arrivait maintenant, mon cher Yuichi. Tu lui as expliqué comment passer devant l'adversaire, au moins? Vaguement. S'il tient compte de ce que je lui ai dit, mon vieil ami... Je dirais qu'il a à peu près 50% de chances de finir vainqueur ce soir. Quoi? Comment ça? Tu lui donnes une chance sur deux seulement de remporter la course? Comme c'est mince! N'oublie pas qu'il n'a pas affaire au premier venu, c'est le fils de Ken. Bunta, ce sera bientôt à toi de goûter à l'humiliation de la défaite. Il est redoutable, y a pas à dire. Maintenant qu'il m'est passé devant, je m'en rends compte. On est à niveau égal en ligne droite, mais dans les virages, c'est une toute autre affaire. Je fais déjà le maximum pour le coller, mais pour ce qui est de le doubler... Papa a sans doute raison. Je vais perdre ce soir. Et au fait, qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Un effort, allez! Là où tu devras mettre la gomme, fiston, ce sera sur le dernier pont. Car ton adversaire sera déjà passé devant toi à ce moment-là. Comment tu peux en être aussi sûr? Je le sais, Takumi, c'est tout. Mais voici la partie importante. Écoute sans m'interrompre. En cette saison, les fourrés et les arbres qui bordent la route d'Hiroazaka perdent leurs feuilles. À toi d'en profiter. Comment ça? Quand tu auras passé le premier pont, à l'entrée du deuxième, tu verras que la route se rétrécit et que tu peux passer. Mais c'est tout juste. Avec ta technique, ça ne devrait pas poser de problème. C'est au troisième pont que ça se complique. Question de chance. Tâche de faire de ton mieux. Mon père savait qu'il me doublerait en décollant de la route. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il m'a dit ensuite. Où voulait-il en venir en parlant de ces feuilles mortes qui jonchent la route? Plus qu'un. C'est le dernier virage en épingle. Dès que je serai sur la partie en ligne droite, l'affaire sera dans le sac. Il ne pourra plus rien tenter contre moi. C'est hallucinant, papa. Tout se passe comme prévu. Exactement. Les feuilles mortes sont assises sur le bord de la route et me permettent de voir jusqu'où je peux mordre. Ça y est, j'ai compris quelle technique tu veux que j'utilise, papa.
c'est ma dernière chance d'agir. Mais d'où il sort comme ça? Comment arrive-t-il encore à accélérer? Comment a-t-il réussi à revenir à mon niveau? Ça va pas se passer comme ça. Ils arrivent! Qui est en tête? Ouah! Ils sont côte à côte! Si l'un d'eux se met à dévier ne serait-ce que d'un cheveu, il va aller s'écraser contre la rambarde! Takumi Fujiwara est vraiment un as du volant. La 86 a gagné. Kogashiwa est parti en tête à queue juste avant l'arrivée. Ah bon? Frérot. C'est l'heure de rentrer, Keisuke. Je te suis. Fujiwara a une sacrée carrière devant lui. Il ne se contentera pas d'être le meilleur de la région de Gunma. Je comprends mieux pourquoi Ryosuke en a fait son protégé. Je suis à peu près sûr que l'élève dépassera le maître. Ah, très bien, ok, on arrive. C'est terminé, et c'est la 86 qui a remporté la course. Ouais, super! C'est Takumi le meilleur! Trop fort, c'est sûr, sa nouvelle 86 va entrer dans la légende, les gars! Et la 86 est un vrai bijou. Allez, ne pleure pas, Iketani! J'y peux rien, ça doit être l'émotion. Mais moi, ouais, Tsuki, excellent! On a gagné! On a gagné! On a gagné! Tu as réussi à m'éviter, je t'en remercie. La voiture s'en tire sans aucune éraflure. C'est celle de mon père, tu sais. J'ai perdu, mais je suis content de pouvoir la lui rendre intacte. Je suis dans la même situation que toi, Kai. J'ai déjà croisé cette voiture sur le mont Akina, le jour de notre rencontre. Et à ce moment-là, tu veux savoir ce que je me suis dit? Que j'avais sans doute trouvé plus fort que moi sur route de montagne. Pourtant, il ne s'agissait pas de compétition avec ton père, on s'est juste croisés. Ça n'empêche qu'il m'a fait forte impression ce jour-là. Le fait que j'ai perdu confirme bien le pressentiment que j'ai eu alors. Bien sûr, c'est toujours rageant de perdre à domicile, mais ça a été une expérience des plus enrichissantes pour moi. Ton père et toi êtes de sacrées pointures. Un de ces quatre en remettra ça. Je promets de m'entraîner dur. Salut! Une chaufferette de poche sur toi? Non, désolé. Qu'est-ce que je déteste le froid, surtout ce vent glacial et sec! Takumi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois ton diplôme en poche? T'as une idée? Après le diplôme? Ben... Je sais pas, tu vas t'inscrire à la fac, comme tout le monde? Non, je ne pense pas. Dans une école privée, alors? J'en sais rien. Si t'arrives pas à décider, pourquoi pas faire un plein temps ici, dans notre station-service préférée? C'est le pied, ce boulot. Ici? Ouais. Moi, j'ai l'intention de demander au patron s'il aurait pas envie de m'engager à plein temps ici, dès la fin des cours, au mois de mai. Pourquoi tu ferais pas pareil? Le temps passe vite quand on bosse ici. T'es pas de cet avis? Plus la même voiture qu'avant. Tu as changé les sièges et la sensation sur la route est vraiment différente.
fait, Takumi, est-ce que tu as prévu quelque chose pour Noël? Non, non. Ah, tu ne fais pas une petite fête chez toi pour célébrer ça? Quand j'étais petit, déjà, mon père et ma mère ne faisaient rien de particulier pour Noël, alors... Ça n'a pas changé depuis que ma mère n'est plus là. Enfin, c'est pas important tout ça. De quoi est-ce que tu voulais me parler, Natsuki? Je voulais te dire que j'ai rompu avec le type à la Mercedes, tu te souviens? Ça m'est complètement égal, Natsuki. Je sais que ça n'est pas vrai. Si vraiment tu t'en fichais, tu ne m'aurais pas fait la tête. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est bien parce que tu tiens à moi que tu as réagi de la sorte, non? Cet été, on est allés tous les deux à la mer. On s'est embrassés. Et puis ensuite, tu t'es mis à m'éviter parce que tu t'es senti trahi. Je te demande pardon. Il fait froid. L'hiver est déjà là. Tu sais, Takumi, je voudrais tellement qu'on redevienne amis, comme avant, toi et moi. Hors de question. Ne compte pas sur moi pour oublier tout ça en un claquement de doigts. Je déteste cette situation! Sache que je ne renoncerai pas facilement. Takumi, j'insiste pour qu'on redevienne amis. Natsuki, laisse-moi te poser une question dans ce cas. Tu es une fille plutôt attirante, pas vrai? Alors tu ne devrais pas avoir trop de mal pour te trouver quelqu'un d'autre, non? Je n'y comprends plus rien. Je veux savoir pourquoi moi. Il n'y a pas une raison en particulier. Parce que je t'aime, tu vois pas? Merci, monsieur. À bientôt. Hey, Kitani, avec un temps pareil, je te parie qu'il va bientôt neiger. Tu m'étonnes, il fait vraiment un froid de canard. Au fait, Itsuki, tu as quelque chose de prévu, toi, pour Noël? La question se pose pas. C'est Noël! Ouais! Tu vas faire la fête avec tes amis de classe? C'est ton dernier Noël de lycéen, pas vrai? Faut en profiter. T'y es pas du tout parce que je compte bien travailler, moi. Je dois mettre un max de côté. Il faut absolument que j'installe des pneus neige à ma chère petite Lévine. Après ça, à moi les routes de montagne. Pareil pour moi. Et Takumi, il fait quoi là-bas? Takumi... Il doit être encore dans les nuages, à rêvasser. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je trouve. Dis-moi, papa. Papa? Hein? Tu sais, je vais bientôt être diplômé. Alors voilà. Tu prendras la voie qui te plaît. Vendre du tofu ou bien faire toute autre chose. Regardez qui voilà, un gars qui travaille pas le soir de Noël. Eh ben, on est ta seule famille, Kenji. Et bonjour l'accueil. Et où voulez-vous que j'aille? C'est facile pour personne d'être seul un soir comme ça. C'est la déprime, tous ces couples se tenant par la main dans les rues de la... Ouais, si on allait faire une grosse teuf, hein, casser la croûte tous les quatre, hein? Ah, moi ça me dit bien. Et vous aussi, les gars. Pour faire la fête, je suis toujours prêt. Comptez toi, sur Takumi. Moi. C'est tout vu parce que je n'ai pas d'argent. Désolé. Toi alors, il faut toujours que tu nous lâches au dernier moment, je te jure.
magasin de tofu. Le voilà. Je l'ai enfin trouvé. Bon, j'y vais. Il fait drôlement froid. Il doit certainement neiger au col ce soir. Vous êtes le monsieur qui vend... Non, je veux dire, je suis une amie de Takumi et... Ah, alors c'est lui que tu cherches. Je suis désolée, mais il n'est pas encore rentré du travail. Ah bon ? Ah, d'accord. Monsieur ? Non, rien. De toute façon, ce n'est pas grave. Désolée de vous avoir dérangé. Avec son sac, on dirait une petite mémère qui fait ses courses. Hé, ma petite, dis-moi, tu m'as l'air chargée avec ton gros sac. Si c'est mon fils que tu es venu voir, il ne devrait pas tarder. En attendant, ça te dirait un bon thé pour te réchauffer ? Oui, c'est très gentil. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer pendant la période de Noël ? Je n'ai que du thé à te proposer. Ah, voilà donc ce qu'il y avait dans ce gros sac. Oui, il est beau, hein ? Il est même équipé d'un petit mécanisme. Ah, oui, alors ce qu'il est joli. Une 86. Fait main par mes soins. Takumi adore cette voiture, alors je me suis dit... Il est en retard d'ailleurs. Où est-ce qu'il peut bien traîner encore ? À quelle heure deviez-vous vous voir ? En fait, pour tout vous dire, on n'avait pas prévu de se voir ce soir. C'est une surprise. Je voulais faire une petite fête de Noël à l'improviste. Je prends ces deux-là. D'accord. Mais j'y pense. C'est toi la fille qui l'appelait de temps en temps cet été ? Oui. Tu sais, comme subitement tu n'as plus du tout appelé, je me suis demandé ce qui avait bien pu se passer entre vous. Il s'est passé pas mal de choses. C'est assez compliqué. Je crois qu'au final, Takumi m'en veut beaucoup. Mais je préférerais ne pas quitter le lycée dans cette atmosphère, avec des tensions entre lui et moi. Alors j'ai fait des efforts, mais il ne me pardonne toujours pas. Écoute, j'ignore ce qui s'est passé entre vous deux, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse tout régler avec un simple pardon, tu sais. Connaissant Takumi, je doute qu'il t'en veuille tant que ça. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Ce gamin est parfois buté comme une mule. Il ne faut pas lui en vouloir. Quand il a une idée en tête, il n'arrive plus à en démordre. C'est comme ça. Et puis, il faut avouer qu'il y a bien souvent un décalage entre ses actions et ce qu'il pense vraiment au fond de lui. C'est moi ! On a de la visite. Joyeux Noël ! Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Joyeux Noël. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, papa ? Joyeux Noël ! Qu'est-ce qu'on s'éclate ! Vous voulez que je chante quoi, les gars ? Dire qu'en plus, il n'a pas bu une goutte d'alcool, c'est vraiment déprimant. J'ai un coup de blues, là. Non, ne t'en fais pas. Ma petite Mako... Yahoo! Pas besoin de nana pour une soirée entre pilotes! Trop cool! Pose le sapin ici si tu veux, Takumi. Ok. Depuis toute petite, Noël est ma période préférée de l'année. Je voulais t'en faire profiter en passant cette soirée avec toi. Tu m'as bien dit que tu n'avais jamais fêté un seul Noël depuis tout petit, c'est bien ça? Ouais. Bon, il est temps de couper le gâteau. Tadam! Tu mets les bougies? Ton briquet, papa. Ah, oui. J'éteins la lumière. Papa est déjà allé se coucher.
Mais... Takumi, tu feras quoi après le lycée? Je ne sais pas encore. Et toi, tu t'es décidé? Moi, tu sais, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que je pensais beaucoup à l'avenir. Mais pour une fois, j'ai décidé de me bouger. Me fixer un but dans la vie, voilà ma priorité. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller à Tokyo. Bonnes et heureuses années, patron! Qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur, patron! Ah, ça me fait plaisir. Bonne année à vous aussi. Je suis ravi de travailler avec vous. Il faudra mettre les bouchées doubles, vous savez, car on attend pas mal de clients. Pour ça, faites-nous confiance, patron! T'es plus motivé que jamais, Itsuki. Ben, qu'est-ce que vous croyez? À partir du mois de mai, je serai employé à plein temps, moi! Zut! J'ai pas fini de nettoyer! Et dire que je vais me retrouver tous les jours avec cette espèce d'énergumène. D'un côté, je trouve ça réjouissant, mais aussi un peu déprimant. Hé, Takumi, reste pas les bras croisés! Allez, il faut laver les vitres, il y a du boulot! Prends des initiatives, bon sang! Nom d'un petit bonhomme. Moi, j'ai le sens civique et j'aspire à des responsabilités, contrairement à certains. Merci beaucoup, bon appétit. Eh bien, Natsuki, j'admire ta motivation ce jour de nouvelle année. Ah ? Tu n'avais pas prévu de sortir un peu et de t'amuser avec des amis ? Non, ça va peut-être vous surprendre, mais je me sens bien quand je suis au travail. Ah bon ? En vérité, il m'aura fallu ce petit boulot pour prendre conscience d'une chose essentielle. Il est dur de gagner sa vie. Oui, je te l'accorde. Ah, bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Que désirez-vous commander ? Est-ce que vous avez déjà fait votre choix de menu ? Natsuki ? Ben dis donc, quel drôle d'accueil. Tu vas pas me dire que tu m'as oublié ? Mais qui, c'est toi ? Bon, si tu me servais un cheeseburger et un milkshake, ma belle. Oui, un cheeseburger et un milkshake, s'il vous plaît. Et ça te dirait de faire un tour après le service ? Oh, je te dépose, c'est tout. Merci, sans façon. Bah alors, tu te méfies de moi ou quoi ? Finalement, je crois bien que je vais annuler ma commande. D'accord, si tu veux. Je finis dans pas longtemps, attends-moi. En fait, je suis juste rentré pour les fêtes de fin d'année. Qui aurait cru qu'un jour tu ferais des petits boulots ? J'ai l'impression que tu as pas mal changé, Mickey. Tu rigoles ? Non, je suis toujours le même. Toi, par contre, tu fais beaucoup plus adulte, plus craquante, je dirais même. Dis-moi, tu as un petit ami en ce moment ? Navré de te décevoir, Mickey, mais c'est pas tes affaires. Je t'ai vexé. À ta façon de répondre, je devine que non. Alors, ça te dirait qu'on ressorte ensemble, toi et moi, hein, Natsuki, comme au bon vieux temps, tu te souviens pas? Et tu vas quand même pas me faire croire que t'as oublié tous ces bons moments. Ça suffit. Arrête-toi là. Bah quoi, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Écoute, je ne voudrais pas être blessante, mais sortir avec toi ne fait pas du tout partie de mes projets. Je ne fréquente personne en ce moment, mais il y a un homme que j'aime particulièrement. Et je n'ai pas l'intention de le perdre. Sur ce... Ah ! Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas à 5 minutes près? Puisque tu veux jouer à la maligne, parle-moi de ce mec si important que tes yeux. Ça m'intéresse vachement. Ce type est un vrai malade. Bonne journée, tout le monde! On y va? Ah, finalement, la neige s'est mise à tomber. C'est pas trop tôt. Attends-moi, Takumi. Ça te dit qu'on passe chez moi? Pourquoi pas? Chez moi ou chez toi? De toute façon, t'as rien de prévu ce soir. Non. Où tu m'emmènes ? On peut trouver un endroit pour discuter tranquille. Un endroit sans personne pour nous déranger. Je sens que la nuit va être longue. Takumi. À ce moment-là, devine ce qu'a fait Ikitani. Y a un truc qui va pas, Takumi ? Écoute, on va remettre ça une autre fois. Pourquoi ? Je ne me sens pas d'humeur ce soir. Et en plus, mon père est parti fêter le nouvel an. Et bien sûr, comme il aura trop bu, il va me demander de venir le chercher. Je le sens gros comme une maison. Qu'est-ce que t'en as à faire ? Allez, salut. Ben, vivement qu'il parte de chez lui, celui-là.
Natsuki. Tu vas pas nier que dans le temps, on s'amusait bien, toi et moi. Ah ouais, c'était bien, tu faisais tout ce que je te demandais, bien sagement. Allez, ma belle, un souvenir du passé. Hein? Arrête! Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Tu devrais savoir que cette époque est loin derrière. Sale petite garce! Pour qui tu te prends d'abord? Et depuis quand t'es devenue aussi chiante, hein? Je t'ai connue beaucoup plus gentille et beaucoup moins prude, t'as la mémoire courte. Eh bien, sache qu'on change radicalement quand on trouve l'homme qu'on aime. Arrête de dire n'importe quoi, pigé. Viens ici. J'ai entendu crier Takumi. Ne me dis pas que le mec que tu aimes, c'est cet enfoiré de Fujiwara. Te fatigue pas à répondre, ton visage en dit long. Sale morveuse! J'arrive pas à croire que t'aies osé me faire ça. Alors tu t'es entiché de Takumi, un type que je peux pas saquer en plus. Je te prierai de la mettre en veilleuse maintenant, Miki. Dis donc, Takumi. Tu fais ta crise d'ado? Qu'est-ce qui te prend de parler à un ancien sur ce ton? Oh! Ça, je l'ai toujours pas digéré. Tu sais, Takumi te frappera à nouveau s'il le faut. Ferme-la. T'aurais mieux fait de réfléchir avant d'appeler ce crétin à la rescousse. Comment veux-tu qu'il vienne jusqu'ici sans voiture, petit imbécile? Il viendra. Il est plus rapide que n'importe qui sur les routes de montagne. T'as dit quoi? Il a une voiture? Espèce de sale petite morveuse! Laisse-moi! La ferme. Allez, on part! Viens! Tu me fais mal! Grouille-toi, je t'ai dit, grouille-toi! Non, arrête, laisse-moi! Où est-ce qu'on va? Ailleurs que sur la montagne, ça vaut mieux. Je veux pas rencontrer Jenner. De toute façon, tant que j'aurai pas eu ce que je veux ce soir, je te laisserai pas filer, tu vois ce que je veux dire? Il est complètement fou, allié. Comment je vais m'en sortir? Takumi. Okay.
Il est trop rapide. Max Power, Max Power, Max Power, Max Power. Je t'attendais, tu es venu à mon secours, tu es venu pour me sauver. Moi qui m'attendais à voir une grosse cylindrée, tout ce que je vois dans mon rétro, c'est une espèce d'épave. Pas besoin d'hurler, c'est un dérapage de rien du tout. Dommage pour toi, Natsuki, je vois vraiment pas comment il va réussir à me rattraper avec son débris. Il y arrivera, j'en suis persuadée. C'est un excellent conducteur, un pilote hors pair. Tu me fais rire. Il est peut-être excellent, mais c'est pas le problème. T'es bien une fille. Moi, j'ai une 4 roues motrices, figure-toi. Tout le monde sait que les 4 roues motrices sont les meilleures sur route enneigée. Senti un peu cette accélération du tonnerre, Natsuki? Ça donne des frissons. Hein. Encore 3 virages et la caisse de Fujiwara ne sera même plus en vue, je te parie. C'est impossible, ça! Merde! Il y a un truc! Une épave pareille ne peut pas rattraper ma 4 roues motrices! Tu sais quoi? Ce n'est pas la voiture qui fait la différence, mais le pilote! Tu peux répéter ce que t'as dit? Qu'est-ce qui te permet de me parler comme ça, d'abord? Regarde la route, on va avoir un accident! Ah, merde, je vais te la montrer, la différence! Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, il est fou! Oh, elle braque pas! Je t'en supplie, pas de carton, Fujiwara! Natsuki? Oh, Takumi, merci d'être venu. J'ai reçu ton appel chez moi, et comme ça a coupé, j'ai pensé que c'était grave. Alors j'ai foncé. À qui appartient cette voiture? Tu le connais, lui? Je te raconterai dans la voiture. Partons, Takumi. Tu m'en veux? Dis. Je suis désolée, je n'aurais jamais dû accepter cette balade. Je ne t'en veux pas. Takumi. Reprends ton calme, Natsuki. Je vais te ramener chez toi, c'est d'accord? Non, non. Je ne peux pas rentrer maintenant. Je préfère te parler. Si je ne le fais pas maintenant, je n'en aurai plus la force plus tard. Merci de t'être arrêté. Ce que j'ai à dire n'est pas facile. Tu sais le type à la Benz avec lequel je sortais? Il me payait. Maintenant, tu ne peux pas savoir à quel point je regrette. Plus je recevais d'argent, plus j'avais l'impression de perdre à chaque fois une importante partie de moi-même. Si je me suis mise à chercher un petit boulot, c'est que par le travail, je pensais que je pourrais recoller les morceaux. Secrètement, je voulais que tu remarques tous les efforts que je faisais et que tu me comprennes. Tu as toujours été là pour moi, comme ce soir, et te perdre, ce serait vraiment trop horrible. Non. Pas ça, je ne voulais pas pleurer. Je trouve ça trop pitoyable de pleurer devant un garçon comme ça. Je suis nulle. Qu'est-ce qui me prend de pleurer pour un rien? Pardonne-moi, Takumi. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire, Natsuki. Sur ce que je ressens. Car moi aussi je t'aime. Tu veux qu'on s'affronte? C'est ça, s'il te plaît. Au fait, tu ne m'as toujours pas dit si tu acceptais de rejoindre ma Dream Team ou non.
Justement, j'ai l'intention de prendre ma décision après cette course. S'il te plaît. D'accord. Quelles sont les règles? Eh bien, les règles sont simples. Tu pars devant, je te suis. On fait ça sur la route d'Akagi. Comme ça, je pars avec un handicap. Et vu que la dernière fois, on s'est affronté à Akina, je voudrais que ce nouveau duel ait lieu à Akagi, Ryosuke, sur ton territoire. Après cette course, j'aurai ma réponse et je ferai le bon choix. Si tu veux. Dans ce cas, je te donne rendez-vous samedi. Tu veux que je t'apprenne à faire les réglages toi-même? Oh, tout ce dont j'ai besoin, c'est de quelques conseils. Comme ça, je ne me reposerai plus uniquement sur toi. C'est qui, cette fois, ton adversaire? Une FC. Non. Moi. Un match contre toi-même. On sent que la fin du lycée est proche. À vos marques! Vous avez vu ce départ? Dès le premier virage, il nous sort un twin drift. C'est parfaitement maîtrisé. C'est comme si je prenais tout ce qu'il ressent en pleine poire. Takumi, tu veux être poussé dans tes derniers retranchements et donner le meilleur de toi-même. Le moment est venu de me montrer ce dont tu es capable. J'hallucine, j'en ai des frissons, de la tête au feu. Oh. Y a pas à dire, ces deux-là, ils sont aussi étonnants l'un que l'autre. Ouais, c'est comme si une puissante aura se dégageait de leur bolide. Et oh, Takeshi, garde tes distances, tu veux? Si on nous voit, on pourrait croire qu'on est copains comme cochons tous les deux. Alors arrête ça. N'importe quoi. Dis-moi, quels sont tes pronostics, Keisuke? Kenta, Ryosuke ne peut pas perdre à domicile, voyons, c'est impossible. Ouais, et si jamais c'était le cas aujourd'hui? Ça n'a aucune importance, les gars. Hein? Il ne court pas pour la première place cette fois-ci. Tout ce qui compte ce soir, c'est donner le meilleur de soi-même. Hein? Je les envie vraiment de se mesurer l'un à l'autre et de partager un instant aussi unique de pilotage. C'est génial, tout bonnement génial. Depuis la course d'Akina, il a progressé comme jamais. Il n'est plus le même. C'est étrange, quand nous faisons la course l'un contre l'autre, je découvre encore des choses nouvelles malgré ma grande expérience. C'est la première fois que je ressens une telle excitation sur la route. C'est comme si plus rien d'autre ne comptait. Je me prends totalement au jeu. Quelques amis, mais je ne resterai pas longtemps. Tu m'attends? Hein? Natsuki! On y va? Ok, j'arrive tout de suite! À toutes! Oh! Écoute, Takumi! Où t'étais encore passé? C'était drôlement émouvant, cette cérémonie! Hé, hey, tu fais quoi après? Ça te dit qu'on aille se remémorer les bons souvenirs de lycée chez moi? C'est-à-dire que... Enfin, je dois...
Non ! Ne dis quand même pas que vous avez remis ça, Natsuki et toi ! Non, non. Comment dire, je... Allez, je te taquine. Fonce, mon vieux, hésite pas une seconde. Après tout, je suis un pilote solitaire. Et puis, j'ai pas de toi comme ami. Je vais retrouver mon pote Iketani, tiens. À la surface du lac, la glace a complètement fondu. Ça veut dire que les beaux jours reviennent peu à peu. Takumi, tu m'as dit que tu allais travailler dans une compagnie de transport dans la région. Oui. Je n'imagine pas une vie professionnelle qui ne soit pas en rapport avec les voitures. Tu ne veux pas quitter la région? Je m'en doutais un peu, mais vraiment, ça me chagrine. Allez, tu ne veux pas t'installer à Tokyo avec moi? Tu veux? Je ne partirai pas. Depuis l'automne dernier, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je désirais réellement. Ça m'a travaillé tout l'hiver, tu sais. Et j'ai finalement compris. J'aime profondément les voitures. Je veux continuer la compétition. Je veux devenir le plus rapide. Alors j'ai décidé que j'allais en faire mon métier. Voilà pourquoi je reste ici. Pour les voitures ? Je vais devoir approfondir mes connaissances et devenir affûté. Et le meilleur moyen, c'est en intégrant une équipe. Comme ça, je pourrai atteindre les sommets. Pourquoi pas peut-être un jour devenir le plus grand des pilotes. Quelle volonté, Takumi. Je t'admire. Ça me rend triste. Mais je saurai être patiente. Si tu n'avais pas été là, je crois que je n'aurais gardé aucun bon souvenir de mes années de lycée. À tes côtés, Takumi, j'ai passé des moments inoubliables. C'est vrai. Nous ne sortons pas ensemble, mais je ne t'oublierai jamais. Tous ces instants passés avec toi valaient bien tous les trésors. Alors, courage, réalise ton rêve. Takumi ! Takumi, moi aussi je promets de devenir quelqu'un de fort. We'll be right back.
À bientôt, j'espère. Thank you.